Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Store Game, une chaîne proposée par Gamgeek sur les nouveaux jeux populaires que l'on peut retrouver sur les téléphones mobiles ou sur PC ou sur tablette. Ce sont des tutoriels sur les nouveaux jeux qui sont aussi bien notés actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction personnalisée sans pseudonyme. En haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous avez une fonctionnalité dans le jeu de Clash of Lords qui vous permet de personnaliser votre pseudonyme tout simplement en échangeant 20 joyaux verts contre cette fonction de personnalisation. Donc après le raid que j'effectue avec mes héros présents actuellement, qui ont encore un level assez faible, je vous montrerai comment personnaliser votre pseudonyme. Lorsque vous commencez le jeu de Clash of Lords, vous avez un pseudo qui commence par user et qui finit par un numéro de série pour vous identifier. C'est un jeu qui est assez bien fait, bien conçu. Je le conseille à tout le monde, à ceux qui veulent commencer à y jouer. Il est très facile à prendre en main. Je mettrai en ligne différents tutoriels sur le jeu pour vous aider à avancer dans le jeu. Rejoignez la guilde de Gamgeek qui s'appelle Clash Guild. Nous sommes pour l'instant très peu dans la guilde car la guilde vient juste d'être construite. Comment changer son pseudonyme et le personnaliser sur le jeu de Clash of Lords? Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le coffre ici, en haut à droite, et de vous rendre dans la catégorie Hôte. Vous allez devoir chercher la fonction qui va vous permettre de personnaliser votre pseudonyme. Voilà, c'est joyeux et gratuit. Donc ici, vous avez la fonction ici. Comment vous appelez-vous? Donc elle va vous permettre de changer et personnaliser votre pseudonyme en échangeant 20 joyaux verts. Voilà, c'était un petit tutoriel sur la chaîne YouTube Store Game proposé par Gamgeek. Laissez-moi des commentaires sur mes vidéos, donnez-moi vos avis. J'espère avoir beaucoup de monde sur ma chaîne YouTube Store Game, car j'ai pas mal de tutoriels à venir à vous proposer. À très bientôt.